Donc, merci, sénatrice Mary-Lou McFedrin, de cette présentation. C'est bien petit ce qu'on peut faire, mais on fait ce qu'on peut comme parlementaire. Donc, en effet, Ratna Omidvar et moi, nous avons travaillé ensemble. On a posé des questions, évidemment, sur les gardiens de la Révolution, sans réponse. Donc, la motion est la prochaine étape. Aussi, il y a un groupe d'amitié qui se réunit pour la première fois sur l'Iran, que Ratna Omidvar co-dirige avec un député. Et finalement, je fais partie de celles et ceux qui ont marrainé des prisonnières iraniennes. Le 24 décembre, j'ai reçu un téléphone de la communauté iranienne de Montréal, de Nima Machouf particulièrement, qui me dit « faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose ». Donc, je marraine Mona Afsani, une jeune enseignante arrêtée en octobre, qui n'a rien fait d'autre que de manifester, qui est emprisonnée, dont je n'ai aucune nouvelle, parce que bien sûr, pour toutes sortes de raisons sécuritaires, je ne fais aucune démarche en Iran. Mais je pense à elle, j'espère qu'elle va faire partie de celles qui vont être éventuellement libérées. Elle est passible de 2 ans de prison pour avoir manifesté. Donc, tout ça est épouvantable. Et donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette exposition. Et nous allons rester à vous.